Et nous sommes de retour pour cette soirée d'information sur la télé. On vous le disait tout à l'heure, le 29 novembre prochain, le peuple suisse devra se prononcer sur l'initiative populaire Entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement. Après avoir entendu les arguments du Conseil fédéral par la voix de Karine Keller-Souter, nous vous proposons ce soir un débat contradictoire, toujours en compagnie de Cédric Jotran, rédacteur en chef du journal de Morges. Je vous présente les invités. Pour les opposants à l'initiative, Isabelle Chevalet, conseillère nationale Vert Libéral Vaudoise. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Jean-Pascal Bobs, CEO de Bobs Group SA. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Et du côté des partisans, Lisa Mazzone, conseillère aux États Vertes Genevoise. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Et Pascal Vandenberg, président et directeur général de Payot SA. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Lisa Mazzone. Cette initiative parle d'entreprises responsables. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises suisses à l'étranger sont irresponsables ? Bien heureusement, seulement une minorité, mais malgré des tentatives de mettre en place des mesures qui soient volontaires, force est de constater qu'on continue de constater des violations extrêmement graves des droits humains, des standards environnementaux, et c'est pour ça qu'on s'est... on a posé le principe qu'il faut des règles qui encadrent les activités pour simplement viser une évidence, à savoir le respect des droits humains internationaux, internationalement reconnus, et des standards environnementaux. Parce que si vous avez aujourd'hui des entreprises qui sont contrôlées par une multinationale suisse, prenons Glencore par exemple, qui se rend victime de graves pollutions qui entraînent des atteintes à la santé du type paralysie, voire cancer chez des enfants sur place, c'est juste pas acceptable et nous avons aussi une responsabilité, c'est pour ça qu'il faut un cadre. C'est vrai, quand on entend Isabelle Chevalet, Madame Mazzone qui dit, ou surtout l'initiative, qui, quand on parle des droits de l'homme, de l'eau qui ne devrait pas être polluée en Afrique, des choses comme ça, est-ce que ce n'est pas quand même le moment de passer à l'action ? D'abord, c'est une évidence, qu'on soit bien clair, il n'y a pas les gens pour ou contre les droits humains, ou les gentils et les méchants, c'est juste une évidence. Maintenant, c'est comment on va le faire. Alors, ce qui est aussi une évidence, et ça a été dit par Mme Mazzone, c'est qu'une très grande majorité de nos entreprises se comportent très bien. Ça, il faut, je pense, le répéter. Il y a une entreprise dont le nom est tout le temps cité, on va le dire parce que, de toute façon, il va sortir ce soir, c'est Glencore. Et en définitive, on a l'impression qu'on fait une loi, une lex Glencore, pour une seule entreprise qui a son siège en Suisse et, finalement, qui va porter préjudice à toutes les autres entreprises suisses. Et l'autre chose que j'aimerais aussi dire ce soir, c'est pas que la Suisse ne fait rien. Il existe en Suisse un système qu'on appelle le point de contact qui fait qu'une ONG ou un individu à l'étranger peut venir porter plainte en Suisse auprès du point de contact. Mais pourquoi ça ne marche pas bien? Parce que toutes les discussions entre la victime et l'entreprise concernée, l'entreprise suisse concernée, doivent être confidentielles jusqu'à l'issue de la démarche, de la médiation. Et en fait, les ONG, ce qu'elles aiment, c'est médiatiser ces cas, c'est salir l'image des entreprises dans les médias et c'est pas de trouver des solutions pour les victimes. Et il y a eu seulement un cas par année depuis 20 ans, un cas par année. Madame Chevalet, je vous parlais de Glencore, mais les partisans parlent d'autres entreprises, Syngenta, LafargeHolcim, donc il n'y a pas que Glencore qui est concerné par cette... Oui, 9 fois sur 10, c'est Glencore et de temps en temps, il y a Syngenta. Syngenta, c'est aussi intéressant parce qu'on critique les pesticides. Il se trouve qu'on parle toujours de respect des conventions internationalement reconnues. Il n'y a pas de convention qui interdise certains pesticides dont on parle. Donc même quand il parle de Syngenta, finalement, on ne pourra rien faire avec cette initiative parce qu'il n'y a pas... Si l'Inde n'a pas décidé d'interdire le paraquat pour en prendre un, ce n'est pas la Suisse qui peut le faire. À moins que du point de vue international, il soit interdit. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, si on écoute Mme Chevalet, ben, c'est clair que comment tout fonctionne, finalement. Mais vous, ce n'est pas votre impression, M. Vandenberg. Pourquoi, finalement, elle explique ce point de contact, etc. Pourquoi vous vous dites que ça ne fonctionne pas, il faut justement aller beaucoup plus loin? Alors, effectivement, on voit qu'il y a très peu d'entreprises qui sont concernées, coupables ou moutons noirs, comme on veut, mais c'est des très grosses entreprises qui se comportent de manière inacceptable, qui ne feraient pas ça en Suisse et qui se permettent de faire des choses à l'étranger. Il faut bien, même si on raisonne que sur les multinationales, il y a deux sortes de multinationales. Il y a celles qui ont un vrai risque réputationnel. Pourquoi ? Parce qu'elles sont connues par le consommateur, parce qu'on achète un produit Nestlé, par exemple. En revanche, on n'achète jamais un produit Glencore, ni Syngenta, ni LafargeHolcim. On ne l'achète pas tel quel. Donc à partir de là, le risque de réputation qui incite aujourd'hui les entreprises multinationales comme les autres d'ailleurs à
je dirais, respecter pas seulement le droit, mais les attentes et les aspirations de la population qui changent actuellement. Et on sent qu'il y a légitimement une pression pour que les entreprises soient plus correctes en termes d'environnement, en termes de droits humains. Et à un moment donné, la loi, elle sanctionne ça. Ce que je veux dire, c'est que la loi, elle ne précède jamais l'évolution de la société, elle la suit de plus ou moins près. Je vais prendre un autre exemple pour illustrer ça. En septembre, les Suisses ont voté pour un congé paternité de 2 semaines. La plupart des entreprises le pratiquaient déjà. Beaucoup d'entreprises le pratiquaient déjà. Elles n'attendaient pas la contrainte de la loi. Donc, n'est-ce pas une raison pour ne pas la proposer à la loi ? Mais certaines doivent avoir une contrainte légale pour rentrer dans le rang en quelque sorte et respecter aussi ce que sont les attentes. Sur ces entreprises, le citoyen n'a pas d'action directe, il n'a pas d'emprise directe. C'est pour ça que les lois existent aussi, c'est pour intervenir au-delà d'une sanction qui peut être celle d'un consommateur sur un produit. Moi, j'appartiens à une génération dans laquelle on critiquait l'apartheid en Afrique du Sud et on boycottait, par exemple, les oranges Outspan ou des produits qui venaient d'Afrique du Sud. Hein, ça remonte quand même dans les années, fin des années 70, début des années 80. On pouvait, en tant que consommateur, dire « je ne veux pas acheter ce produit ». On peut aussi boycotter des entreprises comme Amazon ou Hasard. Mais on peut vous arrête, parce qu'autrement, on va vous boycotter vous à la fin. Hein, si vous parlez tout le temps, on va vous boycotter vous à la fin. Monsieur Bobs, ces ONG, justement, que Mme Chevalet, alors là, dépeint comme le diable en personne, est-ce qu'elle vous empêche de dormir? Vous êtes dans l'industrie, finalement, on a envie de se dire, mais est-ce que vous avez quelque chose à cacher dans cette industrie pour être comme ça farouchement opposé à ce texte? Alors, on n'a rien à se cacher. Je crois que la majorité des entreprises suisses se comportent très, très bien et elles peuvent ouvrir leur façon de contrôler leurs activités, les codes de conduite, les évaluations que l'on fait, les certifications de nos fournisseurs dans le monde entier. Donc, on ne parle absolument pas de se cacher ou pas cacher. Et c'est, je crois, ça a été dit tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'il y a quelques moutons noirs qu'on doit pénaliser toute la classe. Et donc, la grande majorité des sociétés suisses, j'en suis très fier, se comportent plutôt bien, voire très bien. Il faut savoir que notre image dans le monde est bonne. Il n'y a pas seulement M. Federer, qui est vraiment l'idole de tout le monde et qui porte le flagship suisse dans le monde entier. Mais nos clients dans le monde entier disent la qualité suisse, l'honnêteté, la fiabilité, la ténacité, ce sont des valeurs très grandes. Mmh. Et ici, on ne parle pas vraiment de dire quelle est la problématique. Il y a des lois qui existent, il y a des systèmes qui sont en place, il y a des audits qui sont en place, les conseils d'administration et les directions des entreprises sont responsables. Et on est tout à fait conscient des décisions que nous prenons. Alors allons plutôt voir les personnes qui dysfonctionnent, qui n'appliquent pas les règles et les bonnes pratiques dans ce monde, qui existent, et pénalisons plutôt ces personnes au lieu de soumettre la Suisse à des pressions énormes, puisqu'on parle beaucoup plus ici de garder une place industrielle suisse compétitive. On ne parle pas d'une loi ou pas. On parle de rendre la Suisse compétitive par rapport à des lois qui viennent étouffer l'économie. Et je sais bien de quoi on parle, puisqu'en plus de ça, on est dans une phase Covid, dans des phases économiques très, très compliquées. Et continuer à voter des lois vont tout simplement pousser les industriels, contrairement à ne plus faire le choix de la Suisse, mais plutôt d'aller voir ailleurs. On va faire réagir les Amazon. On parle d'une loi pour 4 moutons noirs. On va étouffer l'économie suisse. C'est ce que dit Monsieur Bobs. C'est faux pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, c'est un atout pour l'économie suisse. Ça a été reconnu dans les travaux qu'on a fait au Parlement. On a essayé de trouver des solutions concrètes pour réaliser cette initiative. Et le groupement des entreprises multinationales, qui regroupe un grand nombre de multinationales sur l'arc lémanique, l'a signifié comme ça, c'est un atout pour l'économie suisse. Pour quelles raisons? C'est d'ailleurs aussi ce qui est sorti d'une récente étude de Deloitte qui interrogeait les responsables financiers d'un grand nombre d'entreprises. Pour quelles raisons ça augmente la valeur sur le marché? Parce qu'en réalité, du coup, vous savez qu'avec le tampon suisse, vous certifiez que votre entreprise respecte des standards minimums. C'est des standards minimums. On parle de respect des droits humains et des standards environnementaux reconnus internationalement. On ne parle pas de standards suisses. On parle Mais ce que standards... Vous êtes en train de dire finalement que les entreprises, elles bafouent tout ça. Finalement, on a l'impression quand on vous entend que la Suisse fait faux, la Suisse fait mal. À chaque fois qu'une initiative arrive, c'est que la Suisse, c'est finalement vous défendez la Suisse ou vous voulez Vous savez, quand on a lutté contre la corruption, c'est très intéressant de comparer avec la corruption. À partir de quand est-ce qu'on s'est dit
en matière de corruption, on met un cadre contraignant, un cadre qui permet d'ailleurs de condamner des actes qui se déroulent à l'étranger. Hein. Ça existe déjà en matière de corruption. À partir du moment où on s'est rendu compte que sur le plan international, c'était notre réputation qui était en jeu. Parce que si on n'avait pas ce stempel, ce tampon de probité, d'intégrité, eh bien en fait on dévalorisait l'image même de nos entreprises. Et sur la menace qu'on entend liée au Covid, j'aimerais dire une chose qui me semble très importante. Aujourd'hui, si vous interrogez les responsables et CEO des entreprises, que ce soit Glencore d'ailleurs, qui l'a déjà dit, que ce soit Nestlé, que ce soit encore Lafarge-Holcim l'autre jour dans Le Temps, ils vous répondent tous, nous n'allons pas quitter la Suisse pour cela, nous sommes prêts à mettre cette initiative en œuvre. Donc en réalité, ce que je ne comprends pas, c'est qu'en fait, la plupart des gens nous disent, des entreprises nous disent, c'est déjà ce qu'on fait, nous connaissons notre chaîne d'approvisionnement. À partir de ce moment-là, elles ont tout intérêt à ce que ce soit certifié, parce que sur le plan international, de plus en plus, on va avoir une compétition vers des critères de standards, justement, environnementaux, droits humains. Et en fait, c'est juste la base. Alors, Isabelle Chevalet, là, quand on parle de compétition, il faut être compétitif également au niveau de la morale sur le plan international. Oui, mais il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Vous ne pouvez pas mettre des règles hyper contraignantes aux entreprises suisses et finalement les autres font ce qu'ils veulent. Vous imaginez bien que les Chinois qui sont les rois des droits humains, parce que cette initiative, on parle souvent de l'Afrique, de pays corrompus, ok, mais cette initiative va aussi s'appliquer à nos entreprises qui vont aller en Chine. Elles vont s'appliquer sur, on va demander à nos entreprises d'appliquer, de respecter les droits humains, tous les droits humains, y compris en Chine. Alors dans les droits humains, on a par exemple la liberté syndicale. Eh bien, je me réjouis de voir comment nos entreprises suisses vont aller faire un devoir de diligence sur la liberté syndicale en Chine qui est simplement interdite. Madame Manzon, vous avez parlé de la corruption, mais il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. La corruption, c'est termine, typiquement si vous une norme. Oui, mais je m'excuse. Non, mais je vais terminer parce que critiquer peut-être. On n'écoute pas la Mme Chevalet. J'ai même pas commencé ma phrase pour vous critiquer. Allez-y, Mme Chevalet. La corruption, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un rentre en Suisse et qu'il a fait de la corruption, il faut pouvoir l'attaquer en Suisse pour corruption. Mais si on l'attrape à l'étranger pour corruption, il sera jugé à l'étranger pour corruption. Donc ça n'a rien à voir, c'est la même chose avec les pédophiles. Pourquoi on a fait une loi sur les pédophiles? Parce que s'il est attrapé en Thaïlande, il sera jugé en Thaïlande, mais s'il est attrapé ici, il sera jugé ici. Et donc on ne peut pas extrader un Suisse qui a commis un délit à l'étranger pour qu'il soit jugé à l'étranger. On n'a pas le droit de faire ça. Donc c'est incomparable. Et là, ce que vous êtes en train de faire avec cette initiative, c'est de juger nos entreprises suisses pour des actes à l'étranger en Suisse, parce que vous estimez que ces pays ne sont pas capables de le faire. Alors, la réponse d'Elisa Madzon. La corruption, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des entreprises basées ici, c'est le cas de Glencore, qui corrompent, où il y a une présomption de corruption d'agents publics à l'étranger. En l'occurrence, par exemple, en ce moment, il y a une enquête ouverte au Congo de Glencore pour corruption d'agents publics au Congo, ouverte par le ministère public suisse. Mais si le ministère public c'est exactement la même chose. Pour quelle raison c'est la même chose? Parce qu'en réalité, avec cette initiative, ce qu'on dit, c'est que l'entreprise qui est basée en Suisse, elle a son siège en Suisse, elle a une influence. Et là où elle peut avoir une influence, elle doit répondre de ses actes. C'est ça qu'on dit. Mais elle doit répondre de ses actes le Congo, là où elle peut avoir une influence. Corruption. Et donc, alors, vous mettez la victime face au siège de l'entreprise. Juste pour avancer dans le débat. Sur le fait sur lequel elle avait une influence. Juste pour en avancer dans le débat. Comment mettre concrètement en application cette loi? L'initiative demande que les entreprises suisses vérifient si les droits de l'homme et les normes environnementales et internationalement reconnues soient également respectées à l'étranger. Mais, Lisa Madzon, comment est-ce qu'on fait concrètement pour vérifier que ces entreprises respectent bien ces lois à l'étranger? La liberté syndicale en Chine, vous voulez faire comment, Mme Madzon? Alors, il y a deux éléments. Le premier, c'est le devoir de diligence. Donc, c'est une mesure préventive, parce que l'enjeu de l'initiative, qu'on soit clair, pourquoi les ONG ont lancé cette initiative? Ce n'est pas du tout pour scandaliser. C'est parce que ça fait 10 ans qu'elles travaillent, que sur le terrain, elles constatent des maladies, de la paralysie, des pollutions au plomb. C'est ça qu'elles constatent et c'est ça qui doit changer. Et le volet préventif, c'est de connaître sa chaîne d'approvisionnement, de savoir qui sont les fournisseurs et d'agir là où on peut agir. Ça, c'est le volet préventif. C'est un volet qui, effectivement, est assez long, qui s'étend sur la chaîne d'approvisionnement. Mais les entreprises suisses sont-elles les seules à agir à l'étranger?
C'est-à-dire que si la Suisse fait cette loi le 29 novembre, tout est réglé. Vous savez, la question de la due diligence, le devoir de diligence, c'est des pratiques internationales. Je veux dire, aujourd'hui déjà, on attend des entreprises qu'elles connaissent leur chaîne d'approvisionnement. Justement, international, on sait que l'Europe va s'y mettre prochainement. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux là, d'attendre le bon wagon et puis C'est intéressant parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une dynamique qui est très forte. Elle est très forte en Europe. Vous avez la France qui a une loi déjà relativement contraignante. Ce n'est pas la seule. Vous avez la Grande-Bretagne qui a déjà des procès en cours, notamment d'un village zambien sur des questions de pollution. Rapport, pas de devoir de diligence. Et vous avez encore le Canada et d'autres pays dans lesquels on fonctionne plutôt par jurisprudence, donc qui évolue avec l'évolution du droit. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est que nous, là, avec le sorte de micro-pas qui est fait par le Parlement pour dire « Ah, on fait quand même quelque chose », eh bien, on va se mettre au diapason de l'Union européenne, alors que l'Union européenne dit déjà aujourd'hui « c'est pas suffisant ce qu'on fait, c'est pas suffisant parce que le reporting non financier, donc ce que propose la mesure qui est proposée, c'est simplement dire, ben, par exemple, « Ah, j'ai pas de politique de droits humains, passer, circuler, il n'y a rien à voir ». Et ça, c'est pas possible. – Mais ce qui est étonnant, c'est que tout ce côté préventif, contrôle, même éducatif, nous le faisons depuis des décennies. Mais très bien. Et ben alors, vous demandez de le faire, mais on le fait. Donc nous ne voulons pas plus de lois. Ce qu'on demande, c'est arrêter de mettre la faute toujours sur ceux qui travaillent correctement, qui font un travail qui est juste. On prend ses responsabilités en termes d'entreprise, avec des actionnaires, vis-à-vis des actionnaires, voire d'un conseil d'administration et des règles qui existent. Mais je n'ai pas besoin d'autre chose. Nous faisons ce travail. Moi-même, il y a quelques belles années, je vais voir des fournisseurs travaillent mal, traitent peut-être mal les employés ou l'environnement. Ce qu'on fait, ce n'est pas les juger et leur dire « on part », mais c'est de mettre ensemble un plan d'action pour les améliorer, faire grandir, transférer des compétences. On est contre quoi ? On est tous ensemble ici pour le même objectif, pour mieux vivre. Par contre, on est contre le fait que l'entreprise BOPS, les entreprises suisses, prennent la responsabilité de contrôler toute la chaîne en tout temps, parce que c'est quelque chose qui n'est pas applicable. On aimerait être honnête et applicable. Expliquez-nous justement aujourd'hui comment est-ce que vous dites, parce que vous dites que vous avez pris quelques mesures et tout ça, comment est-ce que vous faites concrètement aujourd'hui pour aller contrôler que tout est bien appliqué sur le terrain ? Eh bien, on choisit des fournisseurs qui sont, eux, certifiés, au fur et à mesure, mais évidemment pas toutes les années, ça se fait par des processus. Quand on choisit un nouveau fournisseur, il passe à travers des critères qui sont très clairs. Et je rappelle, on a un code de conduite, on a un code pour les fournisseurs qui passe à travers ces critères, mais nous ne pouvons pas garantir que les choses se passent toujours bien. On ne peut pas garantir que le composant qui vient d'un certain pays soit certifié autre. Imaginez-vous, aujourd'hui, dans pas simplement de pays en Europe, dans le monde, pardon, on ne peut pas livrer des composants parce qu'il y a des embargos internationaux, que ce soit les États-Unis, la Chine et autres. On a déjà tellement de pression internationale, vous voulez toujours nous mettre plus de pression, ce n'est pas réaliste. Idéalement, idéologiquement, bien sûr, mais restons dans un environnement et soyons réalistes par rapport, regardez aux États-Unis le genre de débat qu'il y a eu, je ne pense pas que ce soit le débat qu'on aimerait avoir en Suisse ou en Europe, et on doit faire attention, on doit être précautionneux que ces valeurs et cette compétitivité restent vraiment réelles pour la Suisse. – Justement, M. Vandenberg, vous êtes, vous, de l'industrie du papier, donc vous êtes comme moi, un fervent défenseur du papier, mais est-ce que cette initiative, si elle passe, elle ne va pas servir surtout à faire de la bureaucratie en Suisse et à faire du travail en Suisse, et finalement, sur place, avoir peu d'effet ? On n'arrive déjà même pas dans le canton de Vaud à contrôler le sous-traitant d'un carreleur, comment vous allez contrôler en Afrique ce qui se passe ?– Non, mais je crois qu'il faut bien préciser quand même par rapport à ce que vous venez de dire que les entreprises suisses à l'étranger n'ont pas l'obligation de diligence sur absolument tous leurs fournisseurs. On parle de quoi ? On parle des filiales, c'est-à-dire des maisons qui ont une maison mère en Suisse, donc elles sont très logiquement responsables de ce que font leurs filiales. Mais on parle des fournisseurs sur lesquels il y a une position de domination économique. Donc ça veut dire des entreprises pour lesquelles vous êtes le seul client et en gros c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. On parle de ça. On ne parle pas d'autres situations que ça. Puisque vous parlez de la Suisse, nous avons, nous, des règles qui sont très précises, des réglementations que nous devons respecter. Ces entreprises-là qui ne respectent pas ces règles-là, elles créent finalement des situations de concurrence déloyale par rapport à des entreprises du même domaine qui, elles, respectent les règles. Ça sert à ça. Ça sert à faire en sorte que les règles du jeu soient les mêmes pour tous. Mais est-ce que les règles du jeu pour tous, c'est-à-dire, est-ce que vous aimeriez que finalement
dans un monde idéal, ce qui se passe en Afrique ou dans certains pays d'Afrique, je ne suis pas un connaisseur, on a les mêmes règles qu'en Suisse. C'est-à-dire, par exemple, il y a des choses qui sont tolérées là-bas, on parle, les enfants, ce n'est pas le même âge, qui ne serait même pas imaginable en Suisse. Est-ce que vous voulez imposer le modèle suisse ailleurs ? Non, absolument pas. Un des arguments sur le néocolonialisme de l'initiative, c'est le contraire. On ne parle que des entreprises suisses dans leurs activités à elles, à l'étranger. Ce que font ces pays, ils doivent avoir un système judiciaire, ils doivent avoir une organisation à eux dont ils sont responsables, pour peu aussi qu'ils signent eux-mêmes des traités internationaux. Cette initiative, finalement, elle permet juste à la Suisse de respecter les engagements internationaux qu'elle a pris. Point à la ligne, il ne s'agit pas d'aller s'occuper d'une entreprise dans un pays autre, qui n'est pas en lien direct avec une entreprise suisse qui la domine ou qui la possède. Mais vous incombez quand même la responsabilité au siège suisse, aux sociétés suisses, pas surtout les fournisseurs, au patrimoine suisse. Oui, mais vous nous demandez, nous, société Bobst, d'être responsable de notre chaîne d'approvisionnement dans le monde entier, non, parce que nous sommes uniquement les entreprises. Vous les entreprises que vous contrôlez. Mais nos filiales, nous rapportent, elles nous appartiennent. Alors, donc je dois exiger à nos filiales d'aller contrôler partout dans leur environnement. Non, pas du tout. Oui, c'est pas un effet. Alors, on va écouter Isabelle Chevalet qui n'a pas parlé. Ça va être la résultante. Monsieur Bob, pas être responsable. On va écouter Isabelle Chevalet qui n'a pas parlé depuis un petit moment. Non, mais excusez-moi. Excusez-moi. Ce qui est donc la preuve que le but de l'initiative est atteint. Voilà. Mais ce que je trouve intéressant, c'est les textes, parce que finalement, fions-nous à ce qui a été écrit. On a fait l'exercice au Conseil national de faire une loi d'application de l'initiative. D'abord, dans le texte de l'initiative, c'est marqué, ça s'applique à l'ensemble des relations d'affaires. C'est pas marqué le mot filiale, c'est marqué relations d'affaires. Et dans le compte-projet du Conseil national qui devait expliciter ce que ça signifie, ces relations d'affaires, c'est marqué l'activité de société contrôlée, on est d'accord, c'est très clair, et de relations avec des partenaires commerciaux ou d'autres personnes. Des partenaires commerciaux, c'est quand même pas juste des filiales. Donc vous répétez ça aujourd'hui pour essayer d'atténuer la chose, mais c'est bien sur toute la chaîne. Parce que si je prends vos rapports d'ONG que vous balancez comme ça, quand vous critiquez par exemple la collecte du coton au Burkina Faso, qu'est-ce qui se passe au Burkina Faso? Les agriculteurs sont organisés en coopérative. Ils vendent ça à une société d'État et elle va aller vendre ça à des négociants internationaux. Et vous, dans ce rapport, on rend les négociants suisses responsables jusqu'à la chaîne, jusqu'à l'agriculteur. Et on dénonce ces gens-là ici, en Suisse. C'est bien ça, le problème. Les Amazones, c'est faux. C'est faux. Je suis désolée, c'est faux. Excusez-moi, il y a deux volets, je reprends, il y a deux volets dans l'initiative. Il y a le volet préventif. Non, mais juste un élément. L'agriculteur, je vous rassure... C'est votre tour de ne pas me laisser parler. C'est une guerre. Juste un élément. Je vous rassure, l'agriculteur n'est pas une société contrôlée par un négociant suisse. Justement, vous avez d'une part le devoir de diligence, le principe c'est la prévention, c'est d'éviter que ces situations arrivent. Ça ne veut pas du tout dire qu'on doit garantir sur toute sa chaîne que tout est parfait. Ça veut dire qu'on doit agir, on doit connaître, on doit avoir des yeux, les ouvrir, et on doit agir là où on peut. Ça, c'est le principe du devoir de diligence. C'est quelque chose qui existe déjà. Le SECO, le secrétariat d'État à l'économie, a préparé un guide avec les traders, donc les personnes qui font du négoce, pour cette question de devoir de diligence. Donc c'est déjà quelque chose qu'on essaye de mettre en place. À côté, vous avez la responsabilité. Ça, c'est le deuxième volet, c'est le volet qui est de l'ordre des sanctions. Parce que si vous avez une obligation de prévenir, il faut qu'il y ait des sanctions, parce que le problème, c'est que sinon, ça ne produit pas d'effet pour les mauvais élèves. Et je pense que c'est important de le dire. C'est quelques voyous qui, en réalité, vont faire une concurrence déloyale, vont avoir des prix extrêmement bas sur le dos des droits humains. Et c'est ça qu'on veut changer. Ce n'est pas pénaliser, au contraire, ça va donner du crédit et surtout, ça va mettre tout le monde au même niveau, y compris les entreprises bon élèves. Mais sur le volet sanctions, là, ce n'est que les entreprises contrôlées. Donc très concrètement, c'est une entreprise, vous avez dit, vous avez une filiale. Donc c'est Bobst et tel pays. Exact. Donc c'est un exemple. Donc cette entreprise-là, vous avez évidemment un rapport très étroit avec cette entreprise. Vous savez ce qui s'y passait. Et c'est sur les actes de cette entreprise-là qu'on peut avoir un dépôt de plainte en Suisse et qu'on peut avoir un jugement en Suisse. Et sur un jugement civil,
dans la procédure civile actuelle. Mais, donc ça veut dire le jugement civil, c'est que la victime doit apporter une batterie de preuves, de témoignages, d'expertise pour démontrer le fait qui s'est produit. Et encore, l'entreprise, même si vous aviez une violation, si vous prouvez que vous avez pris toutes les mesures pour éviter qu'une telle chose se passe, eh bien vous pouvez être libéré de la condamnation. Autant dire, le volet sanction, c'est vraiment un peu la ligne rouge pour dire il y a quand même un risque qu'il se passe quelque chose si vous le respectez. Le volet sanction, c'est le volet gendarme. Isabelle Chevalet, vous avez dit au début que finalement ça fonctionnait bien, qu'il y avait le point de contact, mais vous avez remis plusieurs fois dans le débat les Chinois. Vous imaginez un petit jeune là où ses parents allaient se pointer au point de contact justement pour dénoncer une situation qui ne fonctionne pas. C'est un peu une blague. Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gendarme pour faire ça? Est-ce que vous imaginez un petit jeune ou ses parents venir ici faire un procès? C'est le même problème. Mais je vous rassure, il y aura plein d'ONG qui vont s'occuper de cette famille pour les accompagner, comme Public Eye a accompagné des Indiens, des paysans indiens à Bâle actuellement pour porter plainte contre Syngenta. D'abord, c'est la preuve que le système judiciaire suisse fonctionne déjà, puisqu'ils ont pu venir porter plainte. Ce qu'on dénonce ici, c'est le néocolonialisme de cette manière de dire. On envoie des juges suisses juger à l'étranger. Non. On estime que ces pays-là ne sont pas capables de juger les entreprises, qu'elles soient suisses ou étrangères, hein, ou chinoises, dans ces pays-là lorsque se comportent mal. Et il y a un magnifique contre-exemple, qui est d'ailleurs publié par Public Eye, sur Glencore en Zambie, puisque Glencore en Zambie a été condamné jusqu'à la Cour suprême pour pollution et optimisation fiscale. Donc j'ai envie de vous dire, si ces pays-là sont capables de juger lorsqu'il y a des atteintes aux droits humains et à l'environnement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi ici qui fait qu'on va prendre ces cas-là pour venir les juger en Suisse? Ça, c'est du paternalisme, c'est du néocolonialisme. Pascal Van de Beek, on fait du paternalisme? Non, c'est de la responsabilité. Vous avez employé le mot de morale tout à l'heure. Moi, je ne prends pas ce mot. C'est des règles éthiques qui sont là pour fixer ce qu'est la responsabilité d'une entreprise. Quand je suis une entreprise suisse, on va raisonner en Suisse. Mettons sur la Suisse. Voilà, moi, je suis à mon bureau, j'ai 13 librairies. Je me sens totalement responsable de ce qui se passe dans chacune de ces librairies. Si j'avais une filiale dans n'importe quel pays, je me sentrais totalement responsable de ce qu'elle fait. Et j'attendrais qu'elle pratique selon les mêmes règles éthiques que celles qui s'appliquent ici dans l'entreprise. Donc, ça n'a rien à voir avec la morale, déjà. Et ce n'est pas... On n'a pas besoin de loi, alors, du coup? Pourquoi c'est une loi marquée morale dessus? Non, c'est les règles éthiques qui définissent ce qu'est la responsabilité de l'entreprise qui compte ici. Donc il faut enlever cette question de morale ou de moralisme. Quant au néocolonialisme, moi je considère que c'est l'inverse. C'est de dire aujourd'hui, on peut continuer comme autrefois, au temps de l'esclavage, au temps des colonies, à exploiter de manière totalement déréglementée ces pays, ces populations, quitte à les polluer, quitte à les rendre malades, quitte à, etc. Parce que c'est ça le néocolonialisme. En fait, c'est une entreprise comme à l'époque, quand on partait évangéliser ces âmes perdues, et puis au nom de la bonne morale et de l'évangile, on allait dans ces pays-là pour les évangéliser. J'ai l'impression que vous êtes le nouvel évangélisateur de la bonne morale. Absolument pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de morale. Et vous leur avez posé la question à ces pays-là, finalement, comment ils vous perçoivent? C'est pas une question de morale, c'est une question de justice. La question, c'est est-ce que ces personnes, on leur rend justice? Est-ce que les entreprises multinationales suisses répondent de leurs actes? Et c'est ça qu'on veut atteindre. Et la réponse par rapport aux juges qui vont aller à l'étranger, c'est faux. Les juges, ils restent ici. C'est à la victime de venir ici et d'apporter ses preuves. Juste sur un plan totalement concret. On a l'impression qu'on ne fait rien, mais c'est déjà le cas. 90% de notre pays. J'aime beaucoup vous entendre parce que c'est la réalité. Je crois totalement votre bonne foi. Mais je ne peux pas amener un juge suisse, la loi suisse, au Mexique ou ailleurs. Il n'y a pas de changement de la procédure civile. C'est pas ce que dit. J'aime vous entendre parce que je suis certaine que vous êtes de bonne foi, je suis certaine que vous n'avez rien à vous reprocher. Mais justement, sur un plan... Alors mettons-nous d'accord sur le contre-projet qui donne... Elle vous arrange parce qu'elle met les mauvais élèves à votre niveau. S'il vous plaît, sur un plan totalement concret, Monsieur Bobst, vous nous dites, moi, finalement, je n'ai pas grand-chose avec cette initiative parce que je fais déjà les choses propres en ordre. Donc finalement, pourquoi vous opposez cette initiative puisque vous ne risquez rien finalement? Ça, non, non, absolument pas. Parce que là-dedans, vous changez plusieurs choses. Premièrement, il y a le côté extraterritorial d'une procédure juridique. Mais pour votre deuxièmement, que ça va changer. Mais on ne veut pas. Mais la Suisse ne va pas se mêler de ce qui se passe ailleurs. Soyons réalistes. La Suisse, c'est 8 millions d'habitants. Regardez l'économie dans laquelle on vit. Soyons réalistes. Faisons bien notre travail ici, 100%.
mais ne nous mettons pas des contraintes et des autogoles. Je vous en prie. J'aimerais vous dire une chose. Depuis 10 ans, c'est plus de 450 millions que l'entreprise Bobst a perdu en Suisse, sur 1,6 milliard. Mais on a toujours et continue à investir plus de 7% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et le développement. Si vous voulez continuer à nous dire, écoutez, on vous met plus et plus et plus de contraintes, on ne peut pas. Cette initiative, c'est une contrainte de plus. C'est vrai, ça, justement, Mme Mazzone, finalement, quand on vous écoute, vous dites, ah ben, M. Bobst, c'est bien de vous entendre parce que vous vous représentez bien. Finalement, dans votre catalogue, la plupart des entreprises suisses n'ont rien à se reprocher. Mm-hmm. Est-ce que, comme politicienne de ce pays, vous ne faites pas une pesée d'intérêt pour dire, finalement, on tire la couverture en disant, la Suisse a un problème avec son activité dans les pays extérieurs. Puis, en fait, quand on vous écoute, c'est, ben, finalement, pas Bobst, pas cela non plus, etc. Et puis, on jette comme ça le discrédit sur l'économie suisse. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça en ce moment? On n'a jamais jeté le discrédit sur l'économie. C'est un peu ce qu'on peut entendre comme petite musique. Hein. Alors, vous écoutez les musiques que vous voulez, c'est pas la nôtre. On arrive à les entreprises, parce qu'en vrai, on n'arrive plus qu'à Glencore, mais au bout d'un moment. Pourquoi on répète que ça concerne une minorité de voyous? Parce que justement, c'est important de les remettre à niveau. Ce n'est pas à votre avantage que ces voyous, ils pratiquent une concurrence déloyale sur le dos des êtres humains, et que du coup, ils baissent les prix, et que du coup, c'est juste pas à votre avantage. Donc, on a tout intérêt à remonter. Mais par contre, j'aimerais revenir sur un point. Je ne compare pas aux voyous. Mais justement, et quand on dit les quand on dit les multinationales, quand je me promène, les gens me disent « Ah, t'es une multinationale, alors toi, qu'est-ce que t'as à te cacher ?» Oui, attendez, j'ai reçu des messages et c'est comme ça. Vous nous mettez dans la catégorie des mauvais, alors, des voyous. Monsieur, et ça, j'accepte soyez pas. Soyez assurés que j'en suis désolée si vous le vivez comme ça, mais ce n'est pas la démarche. La démarche, c'est la démarche, c'est une dynamique européenne. Mais madame, cette dynamique européenne, vous me laissez parler. Ils sont condamnés. Non, mais les voyous dont vous parlez, ils se font condamner dans les pays. J'aimerais justement y revenir. La démarche, c'est une dynamique européenne qui dit on doit mettre ces standards, on doit avoir des règles pour sanctionner ceux qui ne jouent pas le jeu et ceux qui créent cette concurrence déloyale. Et quand cette étude Deloitte auprès des entreprises arrive à la conclusion qu'en réalité, c'est bon pour la valeur sur le marché des entreprises, c'est justement là qu'il y a un intérêt. Mais sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? On a des pays, vous regardez le Congo. Le Congo, justement, il y a une plainte actuellement, il y a une enquête qui a été ouverte par le ministère public suisse sur des cas de corruption au Congo. Ça, vous l'avez dit avant, déjà. Et pourquoi c'est important? Parce que ce même pays, il y a quelques 6 ans, un cas d'une personne qui a disparu, qui a été pris par une entreprise de sécurité sur place. On a compris qu'il est décédé, qu'il a été visiblement tabassé. Ça fait 6 ans que sa famille essaye d'obtenir justice et n'y parvient pas. Parce qu'il y a une telle asymétrie entre ces entreprises, dont le budget est parfois bien plus élevé que celui du pays même, que vous n'arrivez pas à obtenir justice. Ce n'est pas systématique, mais malheureusement, ça arrive. Dans ces cas-là, là où l'entreprise suisse avait une possibilité d'influence, elle doit répondre de ses actes. Il nous reste une quinzaine de minutes dans ce débat. Je voudrais juste vous entendre également sur le contre-projet. Tout à l'heure, sur ce plateau, Madame la conseillère fédérale Karine Keller-Souter disait, si on vote non à cette initiative, c'est le contre-projet qui va passer quasiment automatiquement. Il pourrait y avoir un référendum, mais quasiment c'est le contre-projet. Le contre-projet vise à prévoir une approche coordonnée avec les autres pays européens. Vous êtes contre, Pascal Vandenberg, ce contre-projet ? Oui, parce que j'ai vu arriver justement dans les entreprises, et Payot était filiale d'une multinationale il y a encore quelques années, j'ai vu arriver dans les entreprises ces rapports. On engage une équipe pour faire des beaux rapports, juste pour faire croire que tout va bien. Parce que comme ça, on est dans les règles, en publiant un rapport où on met à peu près ce qu'on veut. Toutes les grandes entreprises ont une obligation de faire ça. C'est ça, le contre-projet, ça ne va pas assez loin. Mais je voulais juste revenir sur une chose par rapport à ce soupçon sur une initiative qui est contre l'économie. Le comité des entrepreneurs qui soutiennent cette initiative dont je fais partie, on est plus de 300. À l'intérieur, vous avez des gens qui ont, dans toute leur carrière, été concernés par le sujet. Marc Bloch, qui était patron de la Semeuse, donc dans le café. Alexandre Sacerdoti dans le chocolat, avec Villard Chocolat. D'autres qui sont dans d'autres domaines. Vous pensez vraiment que ces entrepreneurs-là, ils veulent le mal de l'économie? Non, je ne pense pas qu'ils veulent le mal de l'économie, mais je trouve qu'on les voit très peu. Et je pense que très peu. Oui, je trouve qu'on les voit très peu. On vous voit beaucoup, énormément, mais quand on a une librairie, disons, à Vevey, ben, c'est quand même moins loin que le Burkina Faso. Donc je trouve que ces entrepreneurs-là, on les voit très peu, on vous entend beaucoup, vous. Certains ont de la peine, certains n'osent pas venir afficher leur truc. Monsieur Sacerdoti devait
place ce soir. Oui, mais on est en quarantaine. On ne peut pas dire, si on est honnête, hein, parce que c'est le but, on ne peut pas dire que les membres de Haute-Sac, ils sont au portillon et ils veulent venir là. C'est très difficile d'obtenir des gens pour venir affirmer cette parole. Donc vous êtes courageux, mais vous êtes un peu seul. Je suis remplaçant ce soir. Je voudrais juste qu'on reste sur ce contre-projet, parce qu'il faut vraiment qu'on en parle, parce qu'une nouvelle fois, c'est une donnée importante. Une nouvelle fois, si c'est non, c'est le contre-projet qui peut passer. Isabelle Chevalier, est-ce qu'on va pas... Voilà, ce qu'on entend, c'est on va pas assez loin avec ce contre-projet. Pour vous, on va assez loin avec ce contre-projet ? On va assez loin. J'ai trois éléments à vous dire là-dessus. Le premier, c'est la comparaison internationale existante. Parce qu'on peut toujours parler des lois à venir. Je me réjouis de voir l'Union européenne faire des nouvelles lois pour contraindre leurs entreprises dans le contexte Covid actuel. Ça, je pense, si on croit au Père Noël, ça va. Sinon, je pense que ça va être compliqué. Actuellement, le contre-projet du Parlement suisse, il est... au même niveau que la loi vigilance française qu'on mentionne toujours. La loi, vous avez raison, ce n'est pas tout à fait, Madame Madzone, parce qu'en France, ça concerne que les entreprises de 5 000 employés et plus et 10 000 au niveau mondial. Le contre-projet, c'est à partir de 500 employés. Et là, on n'a pas seulement un devoir de rapport, mais on a aussi un devoir de diligence. C'est le titre même du chapitre 7 du contre-rapport. Le devoir de diligence, c'est-à-dire un devoir d'action de nos entreprises sur deux points essentiels. Le travail des enfants et les minéraux de conflit. Mais non, selon avec les rapports dont mentionnait M. Van der Berg. Alors j'ai avec moi, qui le balance un peu comme ça, j'ai le rapport de Nestlé sur le travail des enfants en Côte d'Ivoire sur le cacao. On est sur un seul pays, un seul problème, une seule plantation. Ça, c'est le rapport. Il est loin d'être anecdotique. Et si finalement, vous devez pouvoir prouver votre action de diligence, vous êtes bien obligé de faire un rapport pour montrer ce que vous avez fait ou pas fait. Et si je prends Nestlé en Côte d'Ivoire, parce qu'à un moment donné, il faut parler des actes, eh bien, ils ont, entre 2012 et 2019, construit 49 écoles. Aucune ONG a fait ça. Parce que ce qu'il faut comprendre, si on a des enfants dans les champs en Afrique, c'est pour quatre raisons. Ou bien il n'y a pas d'école proche, ou bien il n'y a plus de place à l'école, ou bien ils n'ont pas l'argent, les parents, pour payer le kit scolaire, ou bien ils n'ont pas de certificat de naissance. Et si vous prenez le rapport de Nestlé, eh bien, vous voyez que sur tous les points que je viens de citer, eh bien, ils ont agi. Mais maintenant, c'est clair que vous allez trouver un enfant dans les champs de cacao de Nestlé, c'est clair. Et on voit que vous utilisez ces images dans vos flyers pour dire, regardez, Nestlé laisse travailler les enfants avec le cacao. Parce que selon vous, eh bien, tout ce qu'ils ont fait là ne suffira jamais. Et c'est bien ça. Donc moi, je voudrais bien revenir à mon contre-projet. Je suis désolé, j'insiste un petit peu là-dessus. Mais Lisa Manson, on ne va pas si loin que ce contre-projet ? Non. Pourquoi ? Parce que la mesure principale que propose ce contre-projet, c'est ce qu'on appelle ces rapports non financiers. Ce n'est pas un devoir de diligence, la mesure principale. Un rapport non financier, c'est qu'on dit... C'est vrai, je m'excuse. Alors, je peux vous dire, j'étais dans la commission, donc le contre-projet, je le connais. Chapitre 7. C'est un peu ça. Ça, c'est Glencore, c'est son devoir... Glencore, ça faisait longtemps. Chacun avec son rapport, c'est ça. Voilà, il y a des jolies personnes. Non, mais... Voilà. Ça, c'est les rapports non financiers. C'est un système qui, malheureusement, en Union européenne, on a décidé que ça ne suffisait pas, que ça ne faisait pas ses preuves. Et puis, si vous voulez, si vous n'avez pas de gestion des risques en matière, par exemple, de droits humains, vous pouvez vous contenter de dire c'est un sujet qu'on ne traite pas. Mais non. Et à ce titre, c'est totalement insuffisant. C'est écrit dans le contre-projet, vous pouvez le lire. À ce titre, c'est totalement insuffisant. Et ensuite, le Conseil des États s'est dit « Ah non, mais quand même, il faut qu'on donne quelques gages ». Donc on a pris la question du travail des enfants et la question des minerais de conflit. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reconnaît qu'en réalité, le devoir de diligence, qui est la mesure principale de l'initiative, est un bon outil. Et ça, c'est une première chose. La seconde, c'est pourquoi c'est insuffisant ? Parce qu'en fait, il n'y a aucune sanction. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous pouvez dire on met en place des dispositifs préventifs, si vous n'avez pas de sanctions derrière, vous n'aurez pas la contrainte pour les bandits qui n'ont pas envie d'être corrects qu'il y ait une amélioration sur le terrain. Et vous prenez par exemple la question des minerais de conflit. Ben, Glencore, pour la reprendre, leader mondial dans le domaine du cobalt, le cobalt n'est pas concerné par l'initiative. Et dans le cas que j'ai expliqué avant de cette mine au Pérou, vous n'aurez donc aucune mesure contraignante. Mmh. Aucune. Monsieur Bob, je vous vois trépigner par rapport à ce que dit Madame Madzone. Je reviens uniquement sur l'aspect de responsabilité et de ce compte-projet est suffisant pour la Suisse. Oui. On doit se souvenir des responsabilités du management des conseils d'administration. Quand on fait juste des rapports pour rien, ce n'est pas vrai. Je dois m'élever la contre, c'est faux.
on fait ses audits, on fait des rapports, on les prend très au sérieux. Est-ce qu'on est parfait? Non. Chaque année, on corrige. Chaque année, on corrige. Chaque année, on corrige. Et c'est vrai. Et je suis fier de le dire. Et vous pouvez venir faire des audits, regarder. Et on est très transparent. J'aimerais vraiment que le débat s'oriente autour de la transparence et de la confiance. Parce que dans ce monde aujourd'hui, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de transaction. S'il n'y a pas de transaction, il n'y a pas de valeur ajoutée. Et soyons fiers d'être en Suisse et soyons fiers de défendre nos valeurs en Suisse, je m'excuse de le dire, parce qu'on fait du bon boulot, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Maintenant, regardons vraiment l'important. L'important, c'est de, je me répète pour la troisième fois, c'est de défendre la place industrielle suisse. Et je suis très sérieux là-dessus, parce que, mesdames et messieurs, si on continue comme ça, on va continuer à réduire notre compétitivité. Ce n'est pas ce qu'on veut. Et quand vous regardez les chiffres aujourd'hui, la Suisse n'est plus compétitive, elle était très haute, elle l'est moins. Et dans l'environnement actuel, je suis très inquiet, non pas les prochains 12 ou 6 mois, parce que l'on vote maintenant, l'impact est dans 3, 4, 5 ans. Mmh. Et c'est là le problème. On discute aujourd'hui de choses, on ne connaît pas les impacts demain. Mais nous sommes responsables, et je suis responsable de l'éthique, mmh. de la morale et de ce qui se fait dans le groupe. Mmh. J'en suis responsable en termes de CEO et vis-à-vis de mes actionnaires, vis-à-vis du conseil d'administration. J'en suis fier et gardons les choses d'un bon sens et ne mélangeons pas tout en disant mais parce qu'il y a une dizaine ou 5% ou 10% même pas des sociétés en Suisse qui dysfonctionnent, alors créons un monstre buzz. Je crois que c'est faux. C'est pas un monstre. Vous savez, en commission, on a travaillé très concrètement pendant plusieurs dizaines de séances. Alors acceptons le contre-projet. Acceptons le contre-projet. À 80%, c'est la même chose. Il est apparu comme ça 3 mois avant la fin des travaux. Mais prenons le contre-projet, parce qu'il reste bon. Oui, excusez-moi, mais il reste bon. On a travaillé sur une mise en œuvre. Et puis ce qui était intéressant dans cette mise en œuvre, c'est qu'en fait, c'est très concret et c'est assez simple à faire. C'est assez simple à faire et ça a convaincu l'économie. Mais non, pourquoi? Arrêtez parce de que dire le que ça groupement... a convaincu l'économie, non, madame. Je le redis, je suis là. Le groupement des entreprises multinationales s'est positionné pour. Mais il est contre l'initiative aujourd'hui. Et dans ce travail qu'on a fait, vous êtes... C'est un petit peu court de dire l'économie est pour l'initiative, mais si on... Vous dites avant l'économie, vous mettez au pilote l'économie, ça c'est pas vrai. Non, parlais du cercle d'entrepreneurs qui était peu représenté. Ce que je dis, c'est que c'était vraiment une formule. Je ne parlais pas du tout ça, je parlais du cercle d'entrepreneurs qui n'était pas très présenté. Je parlais pas de l'économie. On ne peut pas dire là que l'économie est pour... Non, mais on ne peut pas non plus dire comme économiste l'a dit que toute l'économie était contre. Exactement. L'économie suisse a commencé par affirmer ce genre de choses. Vous confondez, madame Madson, un débat. Excusez-moi, parce que ça, c'est quand même grave. Vous confondez un débat. Parce que quand on a discuté... Moi aussi, j'étais pour le contre-projet du National pour une simple raison. Je ne voulais pas qu'on soit en train de salir toute l'image de notre économie dans une votation comme aujourd'hui. Oui. Maintenant, madame Madson, la donne, elle a changé. La donne, elle est pour ou contre une initiative. On n'est pas en train de voter le texte du contre-projet, on est en train de voter une initiative. Et le GEM, le groupement des entreprises multinationales que vous mentionnez déjà 2 reprises en faisant croire aux téléspectateurs qu'ils sont pour, ils sont clairement contre cette initiative et votre attitude n'est pas correcte. Ce que je dis, c'est que quand on a essayé de mettre en œuvre l'initiative, d'ailleurs, madame la conseillère fédérale l'a dit à plusieurs reprises, que vous faites, c'est une mise en œuvre de l'initiative, avec un devoir de diligence d'un côté et avec une sanction et une responsabilité civile de l'autre, comme 2 instruments, eh bien là, en réalité, on a eu un soutien extrêmement large. Et ce texte qu'on avait confectionné à l'époque, ça va être à peu près la mise en œuvre de l'initiative. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas très... Donc, votons le contre-projet. Non, ce n'est pas le contre-projet, c'est faux. Dans le contre-projet, vous n'avez aucune sanction. Mais non. Et là où de nombreux acteurs économiques se sont montrés ouverts, c'était pour travailler aussi sur des sanctions. Et la réflexion qu'on a eue... France, j'ai travaillé avec des acteurs vraiment d'autres partis, parce que là, c'est moi qui suis là, mais il y a aussi un comité bourgeois qui est très présent, avec des acteurs d'autres partis. Puis la réflexion, c'est de se dire on n'a pas intérêt, la Suisse, à se marginaliser. On n'a pas intérêt. Mais on le fait on pas. A intérêt, au mais contraire, à être... Fait pas. À être exemplaire, mais on parce l'est que déjà. C'est un gage mais de qualité, nous le sommes déjà. Et ça, non. ça mais, a une valeur mais économique. En disant, on ne va pas vous mettre d'accord, parce que là, on est en train un peu de tourner, quand même, on va refaire le débat du Conseil national, mais quand même, et ça vous concerne les deux camps, on voit aux fenêtres beaucoup de drapeaux qui portent, alors ça pourrait être qu'un compliment pour vous, mais en fait, dans les deux camps, on voit bien que le débat, il disparaît de la scène traditionnelle, il va ailleurs, et tous ces arguments-là, ils sont finalement peu audibles pour la population. Et d'un autre côté, chez vous, ça vous donne une énorme responsabilité, parce que si l'initiative passe, il faudra pouvoir assurer que le lendemain matin,
elle peut être appliquée dans les pays, ce qui n'est encore pas tout à fait garanti. Et puis, de votre côté, effectivement, ce discours politicien, où on vient de l'assister là, où on refait le match du grand... Eh bien, ça passe plus parce que c'est une autre population qui se saisit de ces arguments. Monsieur Tran, vous avez une responsabilité de chaque côté. Bien sûr, mais la responsabilité est différente. Quand on met un texte dans la Constitution suisse, c'est comme si vous le gravez dans le marbre, c'est intouchable. Quand on fait une loi, on peut la faire évoluer. Donc, ils sont en train de graver dans le marbre quelque chose de inapplicable. Ce que notre camp fait, eh bien, on a une loi et la loi peut évoluer. On la voit sous la loi sur le CO2, eh bien, on la fait évoluer parce que les choses évoluent. Et c'est bien plus honnête. Après, on m'a dit quoi ? On m'a dit, on vote un principe, après vous adapterez le Parlement. Puis après, on va nous accuser de ne pas respecter la décision du peuple parce qu'on nous a voté quelque chose d'inapplicable. Eh bien, votons le contre-projet et nous, et moi, je m'engage ici devant les téléspectateurs. Si les choses évoluent, eh bien, on le fera évoluer. J'ai aucun problème avec ça et je suis prêt à prendre cet engagement publiquement ici ce soir. En rappelant que ce soit juste très clair, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un petit peu entre le projet et le contre-projet. Voter oui, c'est voter l'initiative. Voter non, c'est voter le contre-projet. C'est pas simple, hein, au niveau de la compréhension du téléspectateur. C'est assez courant en politique suisse. C'est vrai. C'est bien de le rappeler de temps en temps. Vous faites une initiative, vous faites une proposition. Hein, c'est un droit démocratique. C'est forcément une initiative constitutionnelle. Donc, vous ancrez effectivement un principe dans la Constitution. Ensuite, le déroulement, c'est un déroulement traditionnel. Le Parlement a un certain temps pour le mettre en œuvre dans la loi. Et la loi, évidemment, c'est un espace qui bouge et qui s'adapte. Et comme je l'ai dit, on a déjà des projets assez concrets de mise en œuvre dans la loi qui ont déjà été discutés au Parlement. Mais ce que je veux dire par rapport à ce mouvement qui vous soutient, si on vote le prix du livre demain unique au hasard à 20 francs, on verra bien le lendemain matin qu'il est à 20 francs dans toutes les librairies. Mais comment vous pouvez dire à ces gens, à ces jeunes surtout, que oui, c'est applicable ? C'est applicable pour une raison très simple, c'est que, comme je l'ai dit, on a déjà des lois d'application qui sont prêtes. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'à un moment, on doit reconnaître cette évidence et on doit dire « nous voulons attendre ça » de nos multinationales. Et tant qu'on ne le dit pas, et tant qu'on ne l'écrit pas, et tant qu'on ne prévoit pas de sanctions, on ne peut pas attendre qu'il se passe quelque chose. Merci beaucoup. On arrive déjà au terme de ce débat plutôt passionné. Merci beaucoup d'être venu, Isabelle Chevalet. Merci d'être venu, M. Bobs également, M. Vandenberg et Mme Mazon. Merci. Cédric Jotran, merci également, rédacteur en chef du journal de Morges. Je vous rappelle donc que c'était une soirée consacrée à l'initiative Entreprise responsable pour protéger l'être humain et l'environnement. Je vous invite, bien sûr, chers téléspectateurs, à faire valoir votre droit de vote en vous prononçant le 29 novembre prochain, enfin d'ici le 29 novembre prochain. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur la télé.